J'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, ça sera un unboxing AliExpress. Je rappelle que sur AliExpress, je ne paye aucun frais de livraison parce que je coche livraison gratuite plus prix croissant. Les articles arrivent entre 15 et un mois et demi, ça dépend en fait. Tu verras lors de la commande l'estimation de livraison, voilà tout. Comme d'habitude, tous les liens des articles que je te présente ici seront en barre d'infos. Et bien entendu, tu auras l'image du site avec le prix que j'ai payé moi. Attention, les prix peuvent différer d'un jour à l'autre sur AliExpress par rapport au vendeur. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. J'ai décollé depuis septembre, donc il faut pas s'inquiéter. Donc là, c'est des colis que j'ai reçus le 27 septembre. J'ai commandé pas mal de petites chaussettes hautes parce que les seules chaussettes que j'ai, c'est des chaussettes de Noël que je mets toute l'année du coup. Celles-ci, c'est des sockets, elles sont trop mignonnes avec des petits cœurs comme ça, on dirait un peu des petites fraises marinières forcément vu que j'habite en Bretagne. Et en tout cas, c'est de très bonne qualité, j'aime beaucoup et ça coûtait vraiment pas trop cher, genre 1 € la paire de chaussettes. On continue avec le 27 septembre, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah rien en fait. On continue, alors ça doit être aussi une paire de chaussettes. Exactement. Attends. Yes. Ah là c'est des petites paires de chaussettes hautes. Voilà, blanches, classiques, rayées avec des petites rayures noires. Là, la taille, moi je fais un petit 35,5-36. Donc la taille est vraiment bien. Nickel, franchement, j'adore, elles sont trop mignonnes. Alors là, toujours du 27 septembre, ça a l'air d'être des grandes chaussettes par contre. Ah oui. Alors là, il y a deux paires en une. Alors je sais plus si c'était un lot ou si j'avais acheté les deux séparément. Et donc, ce sont des petites chaussettes comme ça, hautes, bordeaux, avec des petites rayures blanches. Trop mignonnes, franchement, j'aime beaucoup. Et les mêmes, celles-ci, en blanche, avec les petites rayures, voilà. Comme sur les petites chaussettes juste ici. Mais celles-ci sont plus grandes quand même. Mais j'aime beaucoup comme ça. Ah, c'est trop mignonne. On continue avec un colis que j'ai reçu le 14 octobre. J'ai pas tout ouvert, mais c'est pas grave. Alors, ouh, ah oui. Alors, j'ai tenté d'acheter ceci. C'est une crème colorante, voilà, violette pour les cheveux. Je voulais peut-être tenter de faire mes deux petites mèches comme ça devant violet ou alors peut-être même plus. Et donc c'est de la marque Eleo. Ah, c'est comme un autre article que je vais vous présenter juste après. Donc là c'est operculé, donc c'est vraiment la petite couleur violette mauve là comme ça. Est-ce que ça colore beaucoup ou pas les cheveux? Est-ce que ça reste longtemps? Je ne sais pas du tout, donc voilà. On verra si peut-être un jour tu verras une vidéo avec moi en train de se colorer les cheveux en violet comme ça. On continue avec un colis du 5 novembre. Ah oui, j'ai tenté de prendre des sous-vêtements sur AliExpress, c'est pas la première fois, mais avec ce vendeur-là, c'est la première fois. Et donc, ce sont, hop, des strings comme ceci. Franchement, ils sont super jolis. Ça ressemble aussi un petit peu aux chaussettes que j'ai prises. Il y a la petite étiquette, là, c'est de la marque Fine Too. Genre, je vais bien moi aussi. Et j'aime vraiment beaucoup l'effet un petit peu V comme ça. Donc c'est cette couleur-ci que j'ai pris et j'en ai pris d'autres de différentes couleurs. Alors là je pense que c'est aussi, voilà. Du coup j'ai pris celui-ci en blanc. Ah mais c'est pas la même coupe. Là il n'y a pas du tout l'effet en V et tout ça. Mais j'aime vraiment aussi beaucoup. En tout cas c'est effet coton donc je pense que c'est de la bonne qualité. Toujours, voilà, un autre de... d'une couleur différente, je sais pas si j'ai tout reçu, je ne crois pas. Hop, donc là c'est cette couleur-ci que j'aime vraiment beaucoup, le petit vert comme ça là. Je sais pas si j'ai quoi avec cette couleur ces temps-ci, mais j'aime vraiment beaucoup le vert un petit peu olive. Toujours du 5 novembre, ah oui, j'ai tenté de prendre des masques comme ça, Noël. Alors je sais plus combien il y en a dedans, je crois que c'est 10 pièces. Donc voilà, c'est des masques réutilisables. Et donc voilà comment que ça se présente. Il y a un côté noir et un petit côté voilà avec des boules de Noël un peu doré et tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, ça sera nickel pour le mois de décembre qui va arriver vite. Continuons avec un colis du 16. Ah oui,
J'ai pris ça, en fait, c'est pour mesurer le tour de taille, le tour de cuisse et tout ça. C'est hyper pratique. Montrer comment ça fonctionne. Alors, oula. Donc ça se présente comme ceci, avec un petit bouton ici. On appuie sur le petit bouton pour, voilà, tirer le mètre. On arrête d'appuyer sur le petit bouton, donc ça s'arrête. Par exemple, on vient prendre le tour de bras. Il y a un petit trou là pour remettre, tac, juste ici. On appuie de nouveau sur le petit bouton. Et là, après, hop, on a juste à enlever ça. Et on a notre tour de bras. Je fais 29,30 de tour de bras. Voilà. Bon, là, j'ai mon pull aussi. Mais voilà comment ça fonctionne. Et je trouve ça hyper bien pour, pour ceux qui... on en a besoin, tout simplement. Colis du 18. Ah oui, j'avais tenté de prendre une affiche style un peu Harry Potter. Cette affiche-là, là, c'est Kitchen Witchery. Donc la cuisine de la sorcière. Mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à la taille. Voilà, je pense que j'ai pris cette taille-là, mais je ne m'attendais pas à ça. Pour le prix, je pense que voilà, il vaut mieux prendre un peu plus grand pour pas être trop déçu. Mais bon, ça coûte aussi plus cher. Mais bon, voilà, il y a le... il y a le plastique là pour protéger. Et sinon, c'est vraiment en style toile. Donc voilà, peut-être à accrocher quelque part dans la cuisine, on ne sait jamais. Colis du 16. Alors, non, là il y a le 19. Ah non, colis du 19, pourquoi du 16? N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui! Alors, j'avais pris ce petit pins là, style Harry Potter, ou qui a marqué la formule Lumos. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors, je pense pas que ce sera pour moi, je pense que ce sera pour offrir. Ouais, j'aime vraiment beaucoup la petite main avec la baguette. On reconnaît pas trop la baguette de qui, mais bon. C'est très sympa quand même à offrir pour les fans d'Harry Potter. Autre colis, hop, il s'agit en fait de petits bonnets de Noël où qu'on peut ranger en fait les couverts dedans. Je pensais que j'en avais plus, mais j'en ai retrouvé l'autre jour dans mon sac de Noël en faisant le sapin et tout ça. Donc ça, j'en avais pas trop besoin. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Je pense que je vais garder ça pour les autres années. Ou alors je vais donner ça, ou je sais pas, on verra bien. Me dis pas que je l'ai mis à la poubelle. Et on termine avec le dernier colis que j'ai reçu le 22 novembre, qu'est-ce que je raconte. Donc il n'y a pas très longtemps, c'est l'un de mes calendriers de l'Avent que j'ai commandé sur AliExpress. Il y en a un deuxième qui doit arriver, sauf qu'il a du retard. Je sais pas si je le recevrai du coup pour le 1er décembre, mais sinon il arrivera lors de mes ouvertures de calendrier de l'Avent, je le présenterai. Et donc celui-ci, c'est un calendrier de l'Avent, calendrier de l'Avent. J'ai pris ça parce qu'il y avait 24 cases. C'est pas numéroté, donc je prendrai au hasard. Et c'est la même du coup marque que la crème pour les cheveux violette là. C'est la marque Eloé. Donc My First Universe and Galaxy Collection Set. Et donc j'ai l'impression que c'est des petites boules en forme de planète. Donc voilà, je crois que ça m'a dû coûter genre 10 € ou un peu plus. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de commencer à l'ouvrir pour savoir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas? Est-ce que c'est cassé ou pas? Donc voilà pour ce calendrier et c'est tout pour mes achats du coup que j'ai fait sur AliExpress. Il y en a d'autres qui m'ont arrivé mais que tu verras sans doute durant le mois de décembre. Je rappelle qu'à partir du 1er décembre sur ma chaîne il y aura des unboxings de tous mes calendriers de l'Avent chaque jour. Voilà, on se retrouvera chaque matin, soit 8h soit 9h, dites-moi à peu près à quelle heure vous voulez l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et voilà, en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, les liens sont en barre d'infos, à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut.